J'ai toujours été passionnée de danse. J'ai toujours dansé. J'ai toujours exprimé à travers la danse depuis ma plus tendre enfance, depuis mes plus anciens souvenirs. J'ai exprimé mes émotions par la danse, mes souffrances, mes joies, mes incertitudes. Tout se passait dans ma chambre. Et à chaque fois, j'exprimais ce que je ressentais et j'imaginais même un public, j'imaginais un spectacle et vraiment, je me sentais à l'aise. Et puis, petit à petit, j'ai demandé à aller dans une école et j'ai fait mes premiers pas dans une école, mais je n'avais pas cette sensation de liberté que je désirais. J'ai quand même continué, j'ai ensuite fait une formation de danse pour devenir danseuse avant de commencer un long périple, un long voyage, parce que mes premières expériences en tant que danseuse ne me suffisaient pas. Donc je me suis dit, je vais faire le tour du monde des danses et je vais pouvoir vraiment aller au bout de ce que je suis à travers différentes danses, parce que il y a des danses qui me représentent un certain moment et d'autres qui me représentent un autre moment. Donc je ne peux pas être sur mesure en fait. J'ai besoin d'exprimer ma vérité en allant chercher dans différents vocabulaires. Et puis aussi l'idée de présenter un spectacle, j'avais besoin aussi d'aller dans ma profondeur. Et parfois on nous demandait surtout d'être comme un peu jolie ou un peu dans quelque chose qui était plus plastique peut-être ou une image. Et moi j'ai toujours cherché à aller au-delà de l'image, parce que l'image pour moi c'est éphémère et c'est pas aussi puissant et profond dans l'art que l'être en fait. Donc après cette expérience, je suis partie un peu à l'aventure, comme ça, du jour au lendemain, en Angleterre. Et là, j'ai rencontré des Espagnols qui m'ont initiée à l'esprit du flamenco et ça a été un coup de foudre. Donc je suis partie d'abord à Madrid. Et à Madrid, je me suis bien rendu compte que c'était pas là où j'allais explorer le plus à fond ce que je voulais découvrir à travers le flamenco. Et donc je suis partie dans le sud. Entre temps, je faisais des études d'espagnol et puis aussi j'étais professeure de danse en Espagne, donc j'ai appris la langue, je me suis aventurée en fait et ça a été une belle expérience. En Espagne, en fait, au niveau artistique, j'ai déjà commencé un spectacle qui s'intitulait Danza sin fronteras. Danza sin fronteras. Et là, déjà, je montrais que la danse était au-delà des frontières, que c'était l'expression puissante de l'être au-delà des frontières. Donc, j'avais un spectacle où j'ai dansé, que je vendais en fait dans des villages. Et j'ai exprimé un petit peu comme ça un voyage à travers le spectacle. Mais au bout de 4 ans d'Espagne, 4 ans de flamenco, où j'ai appris par exemple le flamenco en Andalousie, en fait, à Torremolinos, avec un danseur gitan qui m'a appris, qui m'a partagé l'âme du flamenco, l'âme gitane, l'âme de la danse, où finalement la danse c'est un langage divin. Et ce monsieur, il avait un certain âge, et le fait qu'il ait ce certain âge m'a réconfortée dans quelque chose qui était beaucoup au-delà de la technique. Bien sûr qu'il avait une technique incroyable, mais c'était pas ça qu'on regardait en fait. Parce que voilà, il était pas le même niveau peut-être qu'un jeune. Par contre, ce qu'il exprimait à travers sa danse était impalpable, indicible, et chacun pouvait s'y retrouver. Et ça m'a parlé beaucoup. Et puis ensuite, j'ai eu besoin de partir parce que j'avais découvert beaucoup de choses avec le flamenco, mais il y avait quelque chose qui d'insatiable en moi. J'avais besoin d'aller chercher plus loin en fait. J'ai toujours été passionnée par l'Afrique parce que c'est la source de l'humanité, c'est la source au niveau du mouvement, du rythme. Donc je suis partie dans cette recherche. Donc j'ai commencé par le Maroc. Au Maroc, c'est la découverte de la sensualité, de la rondeur, de la rose, du parfum. J'étais chorégraphe dans une structure déjà plus conventionnelle, mais j'ai fait un spectacle avec les quatre éléments. C'était très fort ce spectacle, puisque j'ai dansé avec l'eau, je me suis
suis aussi connectée avec le feu. J'ai appris à danser avec le feu, avec cet espace sauvage, très fort, très puissant. L'eau, j'allais dans la mer. J'ai fait des spectacles un petit peu comme ça, assez éphémères, avec les quatre éléments. Puis après, je suis partie en Afrique noire. Puis là, j'ai été chercher des danses sacrées, des danses dans les villages pour les transformer en danse. Voilà. Après, donc, peut-être 7-8 ans à l'étranger, je suis revenue en France et là, j'ai passé mon DE. Et j'ai commencé à monter ma structure qui allait devenir Paralasasa. Et après, bah, c'est toute une histoire dans cette école où j'ai commencé toute seule. Puis au bout de 7-8 ans, j'ai eu envie de partager avec d'autres professeurs. Donc qui dit partage dit pédagogie, réfléchir à quelque chose qui puisse être, partagé ou échangé avec d'autres professeurs. Ça a été un vrai défi, ça a été ma première formation avec des professeurs. Et déjà, quand j'ai construit Paralasasa, je voulais vraiment que le plaisir soit au cœur de la danse. Et aussi le plaisir, l'acceptation dans la différence. J'étais déjà, à travers mes voyages, j'avais eu besoin de ça en fait, de montrer que on a tous du sang rouge et que c'est ça le plus important et que le reste, c'est notre richesse aussi, bien sûr c'est notre distinction, mais ça n'empêche pas qu'on a le même sang en fait. Et ça c'était un des messages les plus importants pour moi, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi certaines danses comme au départ le jazz qui est un mélange, la salsa, le flamenco, c'était pour moi parce que mon origine, mon père est espagnol. Mais voilà, j'étais toujours portée vers la puissance du mélange, la puissance aussi de la singularité de chacun. Donc c'est ce que j'ai mis en place dans mon école. Et dès le départ, dès la plus petite enfance, j'apprenais aux enfants à danser, à s'exprimer tels qu'ils sont, à pouvoir oser être eux-mêmes devant un public. Il y avait des temps comme ça où l'expression libre était l'expression de soi. Bien sûr, après on la travaille à travers différentes techniques qui peuvent être des techniques de confiance en soi, des techniques de danse a priori, mais finalement ce qui se dégage quand un enfant ou un adulte ou même un senior danse de façon spontanée, c'est la vie qui est en fait, c'est la personne, c'est un hommage à son être. Et au-delà d'une interprétation de quelque chose plus sacré, c'est qu'est-ce que nous renvoie cette personne, quel miroir et présence. Donc voilà, l'esprit de Paralasasa, c'est une pédagogie bienveillante, l'expression de soi, même s'il y a de la technique, l'expression de soi comme un message important et sacré. Voilà. Alors, personnel, c'est peut-être d'avoir des enfants. Je suis très heureuse d'être maman. Je suis très heureuse aussi d'avoir trouvé le juste milieu entre être maman, être femme, être créatrice d'une structure et me lever chaque matin en me disant je suis super heureuse de ce que je vais faire. La formation aussi, c'est un super accomplissement parce que quand j'étais professeure, j'étais heureuse parce que je partageais avec mes élèves. Mais là, ça va plus loin en fait. Je partage avec des gens qui vont partager avec d'autres personnes. Donc ça veut dire que cette idée de changer la philosophie du monde, aller vers un monde meilleur, un monde plus ouvert, un monde plus dans l'écoute et dans l'empathie, et en étant professeur, ça va aller plus vite, ça va atteindre plus de monde, arriver dans les hôpitaux, mettre la danse partout en fait, pas de frontières, tous les peuples, mais aussi voir les jeunes. C'est pas aussi financièrement, on peut aussi danser même si on n'a pas d'argent. Enfin, tout ça sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Et mon accomplissement, c'est d'avoir réussi avec tout ça. Et aussi de rester maman, de partager ces valeurs avec mes enfants.
premier plan. Et d'être dans ma vie ce que je suis à l'intérieur. J'ai fondé l'école en 2001, quand je suis revenue de toute cette épopée à l'étranger pendant 7 ans. Je suis revenue et je me suis dit, ok, maintenant j'ai quelque chose à partager, j'ai besoin de partager quelque chose, cette expérience que j'ai vécue, j'ai besoin de la partager. Donc j'ai commencé avec de la salsa, j'ai commencé en fait à l'UCPA où je donnais des stages de salsa de une semaine. Et pour motiver les troupes, pour leur donner envie aussi de sentir libre et vivant, je leur faisais dire « Para la salsa !» Question, et ils m'ont répondu « Caliente !» Et ça, très fort, quoi. Et finalement, je me suis dit « Bah voilà, je l'ai, mon titre d'association. » Parce que la salsa, c'est quoi? C'est de la sauce, c'est dans la sauce, il y a plein d'ingrédients. Donc c'est parfait. Et c'est comme ça que j'ai mis en place une association que j'ai créée qui s'appelle Para la salsa. Et donc ça a commencé dans des salles de classe, tout petit, et puis au fur et à mesure, en tissant, avec beaucoup de foi et d'envie, et ben, j'ai créé d'abord un public que de salsa, j'avais une école que de salsa, j'avais une compagnie, puis après je me suis ouverte à tout parce que voilà, je ne veux pas être cantonnée juste dans la salsa, j'avais besoin d'exprimer la danse de l'être en fait. Donc petit à petit, je me suis rapprochée de ce que je suis. Et aujourd'hui, au bout de 20 ans, ben, j'ai une école de danse et puis une école de formation où les élèves qui font la formation de danse-thérapie ben, vont se nourrir de cours de danse, de yoga, de méditation. Aujourd'hui, Para la salsa, c'est plus de 300 adhérents. Para la salsa, c'est 10 professeurs. Para la salsa, c'est 35 cours de danse, méditation, yoga. C'est de 4 ans à 90 ans. Voilà, tout ça, c'est Para la salsa. C'est un air avant-gardiste, en fait, de la danse et le développement personnel qui prend maintenant de plus en plus forme. Mais moi, j'étais là-dedans depuis déjà 20 ans. Donc, Para la salsa, c'est le partage, c'est l'envie d'exprimer la joie, le latino. Et venez découvrir, à vous découvrir maintenant. Alors, Personota, venir pour se connaître. Donc, cette formation, c'est une formation de danse et relaxation. Et également une formation de danse-thérapie. Alors, qu'est-ce que la danse-thérapie? C'est la danse qui rencontre le développement personnel et le développement personnel qui s'installe avec la danse. Pourquoi la danse? Parce que le corps, en fait, parle d'un langage que l'esprit parfois ne connaît pas, peut-être aussi par une logique que l'esprit ne connaît pas. La danse, c'est le mouvement, des fois chercher dans des... au-delà en fait de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes. Et donc, ce qui est magique avec la danse-thérapie, c'est qu'on va aller chercher au fond de nous des états insoupçonnés, insoupçonnables, qui vont, le fait de les exprimer, de les transcender par l'artistique, ça va nous permettre de guérir plein de choses qu'on n'imagine même pas. Et aussi, la danse-thérapie, ça se fait dans la joie, en fait. C'est pas... on pourrait imaginer qu'on est toujours dans la souffrance, dans les larmes. Eh bien, non. En fait, la danse-thérapie, c'est nous apprendre à aller dans nos parties sombres parce qu'on sait qu'on est lumière. Ne pas avoir peur, en fait, de nos émotions, qu'elles soient émotions sombres, émotions joie, émotions tristes, émotions colère, émotions dégoût. Eh bien, tout ça, on va le prendre avec beaucoup de détachement et de lâcher prise. Évidemment, ça se fait pas un jour, mais c'est ça la magie, en fait. C'est petit à petit apprivoiser notre être pour se détacher sans perdre notre sensibilité. Donc, cette formation, c'est 400 heures parce qu'il nous faut le temps. Je vais vous donner plein d'outils magiques, merveilleux, qui vont être le fruit de mon expérience de 20 ans d'école, mais aussi de mon intuition. Je suis également coach en thérapie.
thérapie psychocorporelle. Donc c'est en fait un cocktail où je mêle tout ça. Il y a aussi beaucoup de méditation et de yoga parce que la méditation m'a permis de me poser. Moi, la danse me permettait de libérer mes émotions. Mais après, c'était important de me poser pour accueillir ce qui était là. Et la méditation m'a aidé à canaliser mes émotions, à canaliser mon énergie et à comprendre qui je suis, à intégrer aussi ce que j'ai vécu. Parfois, quand on vit quelque chose de très difficile, et ben, peut-être que finalement, c'est pour le dépasser et aider d'autres personnes à le dépasser. Comme on est tous des miroirs, je pense que parfois, quand on est attiré par une formation, par une personne plus qu'une autre, c'est parce qu'on sait au fond de soi qu'elle a quelque chose à nous partager et que c'est elle et pas une autre personne. Et bien voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation, parce que pour moi, juste danser, il y avait quelque chose que j'avais envie d'aller explorer. C'est mon être. Et à partir du moment où je me suis intéressée au développement personnel, je ne pouvais plus danser sans m'intéresser à l'épanouissement. De 400 heures aussi, qui est une formation pour toute personne désireuse d'enseigner la danse-thérapie. Même si vous n'êtes pas danseur, vous pouvez être thérapeute, mais même si vous n'êtes pas thérapeute, pour une reconversion professionnelle, c'est juste génial. Vous aimez la danse, c'est tout ce qu'on vous demande, d'être passionné de danse et d'être curieux d'aller chercher au fond de vous. Parce qu'il va falloir aller chercher au fond de vous pour pouvoir aider après les autres. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas allé d'abord dans ses zones d'ombre. Donc c'est sur ce chemin-là que moi je vais vous accompagner avec d'autres professeurs. On va vous accompagner à aller accueillir qui vous êtes vraiment, aller dans vos zones d'ombre, vos zones de fragilité, peut-être dues à votre histoire. Accepter cette histoire aussi, parce que parfois on met beaucoup d'énergie dans la rébellion. Et après, bah, on se retrouve sans jus, en fait, pour avancer et pour devenir créateur de sa vie. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est même pas d'être danse-thérapeute. Le but de tout ça, c'est d'être créateur de sa vie. C'est de vivre la vie que vous vraiment vous désirez. Donc peut-être que c'est parce que vous aimez danser. Mais finalement, même si vous n'en faites pas, vous ne devenez pas un professeur de danse-thérapie. Si vous arrivez à être créateur de votre vie, vous levez tous les matins en vous disant « Ah, j'ai trop envie de passer cette journée », et ben voilà, ça c'est acquis en fait. Et quand aussi la rigueur ou quand vous avez des choses à faire en discipline et que vous les fassiez, vous levez le matin en vous disant « Ah ben je suis contente de le faire parce que ça va m'amener là », ben voilà, vous avez tout compris. Donc c'est la liberté de devenir soi-même le créateur et de ne pas subir, de ne plus se plaindre et de vivre une vie autrement. Je vis la vie qui me plaît. Pour ceux qui veulent se lancer dans la danse-thérapie, nous proposons une formation de 400 heures, dont 230 heures de partie pédagogique. On va danser, on va aussi faire des cours. Et puis nous proposons une formation de 150 heures pour des gens qui sont déjà spécialistes de danse, diplômés d'État ou qui ont déjà une longue expérience de la danse. Et ça va leur permettre, cette formation de 150 heures, d'avoir des outils conséquents pour passer de la danse au développement personnel. Et puis, créateur de votre vie, être à la source de tous vos choix, et bien je vous invite à venir intégrer notre formation pour vivre une vie pleine, épanouie, pour être en conscience, pour être acteur de votre vie, pour vous sentir responsable de vos choix et ne plus avoir cette sensation de subir, pour attirer ce que vous désirez vraiment. Ben, rendez-vous dans la formation Persenota, formation de danse-thérapie. Et retrouvez-nous sur notre site internet parasalsa.com.